Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est un peu plus de 5h du matin et vous avez vu sur les premières images, Théo du Gaillet de Crémant-Villers est déjà en train d'attaquer sa fauchèque juste après les foins avec son ensemble flambant neuf. Vous l'avez vu, les deux nouvelles faucheuses potineur, une avant, une arrière pour Théo. Ça change de la cune des années passées avec une seule à l'arrière. Là au moins, il y a du débit de chantier et ça tourne. Je vous fais des belles images et comme d'habitude, on ira faire un tour un peu plus tard dans la journée avec Théo en cabine, parler de son ensemble. Bonne vidéo à tous! Un petit tour avec Théo, comme convenu en cabine, parler de son ensemble et de son nouvel investissement avec les deux faucheuses. Bon Théo, petit tour en cabine rapide, parce que c'est un peu la course pour toi. Présente-nous un peu le pourquoi du comment, le changement des faucheuses, le renouvellement. Alors là, on vient de recevoir donc un combiné de fauches Pottinger. Ouais. Avec une 301 master devant et une 352 remplage horizontal derrière. 7 mètres, 17 mètres. Ouais, environ 3 mètres devant et puis 3 mètres 50 derrière. Ouais. Donc on a repris une frontale parce qu'on fauche un peu plus de surface. Et puis disons que la taille du combiné est plus adaptée au tracteur par rapport à une simple 3 mètres 50 derrière. Ouais, c'est sûr. T'as déjà fait combien d'hectares là pour l'instant à peu près avec? Ouais, disons que la frontale est arrivée avant là. L'arrière, donc la frontale, elle doit avoir 160 hectares. Ouais. Et puis là, l'arrière, bah, j'ai fait 20 hectares de foin les jours derniers et puis une cinquantaine d'hectares aujourd'hui. Le débit de chantier est vraiment, vraiment différent. Ah bah, c'est le jour et la nuit. Ah, je pense. C'est le jour et la nuit. La vitesse où tu as fait tomber la première parcelle de ce matin, à 5h. Voilà. Voilà. Alors pourquoi du Pottinger? Dans un premier temps, c'est la frontale qui m'a plu. Ouais. La façon dont elle est plaquée au sol et puis sa façon d'être conçue, la simplicité, tout ça. Et puis aussi pour la proximité du concessionnaire qui est juste à côté de chez nous. Donc le même que tracteur, Martin Agir, le groupe Balthazar. Bon, on a fait une vidéo dessus mais sans trop parler, sur les pneumatiques. On va pas en parler non plus aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est le fauchage, mais quelques mots sur les pneumatiques pour toi, pour l'instant, sur les cross grips. Alors sur les cross grips déjà, il y a une nette différence sur la route, ouais. Ça c'est clair. Il y a beaucoup moins de bruit de roulement, la tenue de route elle est pareil, du simple au dos. Et la question, je pense que je te coupe, mais la question que tout le monde se pose dans les champs, humide, tout ça, bon, on a vu qu'aujourd'hui ça passe largement super bien. Voilà, donc aujourd'hui les conditions sont super sèches donc il n'y a pas de problème.
n'y a pas de problème au patinage, là. C'est ce que j'appréhende un petit peu avec le, ouais, marche avant, marche le délestage, avec la faucheuse latérale. Là. Ouais. Finalement, ni plus ni moins qu'avec du, de la graisse. Sinon, en condition humide, on a fait un petit peu en début de saison, il n'y a pas de problème, ça démonte super vite. Et puis voilà, bah, niveau confort, bien sûr, c'est bien plus élevé. Ok, bon. On parlera un peu de tout ça, un peu sur la longévité, puis ton avis un peu sur le long terme. Voilà. Je vais te laisser continuer, puis t'as combien d'hectares aujourd'hui à faire? On a fait 20, une vingtaine d'hectares ce matin pour un client, et puis là, une cinquantaine d'hectares aujourd'hui. Ouais, donc, ça aura bien tourné. Ouais. Bon, impec. On a pu faire un tour en cabine avec Théo, il est reparti. Je laisse terminer ces quelques hectares qui lui restent à finir aujourd'hui. Ça aura tourné sévère depuis ce matin en tout cas. Un ensemble magnifique, j'ai pu faire de belles images, surtout ce matin au lever du soleil, c'était bien sympathique. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, la petite interview avec Théo rapidement en cabine. Et puis bah, sinon, comme d'habitude, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !